La ruralité fait partie intégrante du territoire national et de la République française. Par contre, elle a les mêmes problématiques que les quartiers populaires. C'est le désengagement de l'État et la désertion de la République. Des dizaines de départements comme le mien, l'Ariège, que je représente à l'Assemblée nationale, sont traités comme des territoires de seconde zone. Dans nos villes, dans nos territoires, dans nos zones rurales, les services publics ne cessent de disparaître. Des dizaines de kilomètres nous éloignent des hôpitaux, de nos maternités, de nos lycées, de nos écoles, et encore plus loin du service public de la culture. Chaque année, l'État consacre 64 euros par habitant en zone rurale. C'est deux fois moins que pour un habitant en milieu urbain, pour qui c'est 128 euros. Et alors, il va falloir remédier à tout ça. Et quand je parle dans l'hémicycle de l'Ariège, de la ruralité, je parle d'au moins 50 départements français. Vous avez toutes les lois qui sont votées dans l'hémicycle sont souvent urbano-centrées. Si on prend celle des directeurs d'école, ils nous avaient dit qu'ils donneraient une décharge d'éducation aux écoles de plus de 8 classes pour les directeurs. Vous rendez-vous compte? Je crois qu'il n'y a pas 10 écoles en Ariège qui ont plus de 8 classes. Donc nous n'étions pas concernés. Et si nous ne sommes pas concernés, 50 départements français ne sont pas concernés. Voilà, comme je le dis, il ne s'agit pas d'opposer urbains et ruraux, c'est juste de garantir l'égalité nationale, l'égalité territoriale sur l'ensemble du territoire national. Parce que ce qu'on veut, c'est gouverner le pays. Et si on veut gouverner le pays, il faut montrer aussi cette pluralité dans cet arc humaniste, social et solidaire. Et donc à partir de ce moment-là, on a dit, on va parler avec les autres, on a parlé avec les Verts, avec le PS, avec les communistes, avec Génération S. Ça a fonctionné. Et donc là, il y a une possibilité qu'on gouverne le pays. C'est l'urgence. De toute façon, la gauche n'a jamais eu le pouvoir sans union. Ouais, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit jamais arrivé. Donc forcément, ça passe par là. Ouais. Ok. Merci pour ce témoignage. Bah, j'espère que ça va aller. Ça va le faire. Parce que c'est une association de tout le monde, voilà. C'est juste à... dans ce cas, moi, c'est ce que j'espérais depuis tout le monde, depuis longtemps. Et bien, les écolos, les communistes, et puis tout, voilà. Et puis la France insoumise. Le 12 juin, quand vous serez dans votre bureau de vote, vous aurez sur la table notre bulletin de vote. Ce bulletin est facile à identifier. La lettre V y figure. V comme victoire. Quand vous voyez ce logo sur un bulletin de vote, c'est un candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pour une majorité de députés de la NUPES, ce sont ces bulletins qu'il faut mettre dans l'urne. Les candidats que nous soutenons ont sur leur bulletin ce V, qui est celui de la victoire, et puis l'ensemble des logos des partis qui soutiennent la nouvelle Union populaire. Pour un gouvernement qui fera la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 euros net et le blocage des prix des produits de première nécessité, c'est ce bulletin-là. Nous avons le même engagement, le même programme et la même volonté de gouverner le pays au service du peuple. Ce bulletin est celui de l'espoir de millions de personnes qui veulent qu'on tourne la page des années de maltraitance sociale. Les candidats de la NUPES prennent l'engagement de soutenir les 650 propositions du programme partagé. Notre large union est un événement historique. Eh bien, notre victoire le sera aussi. Votez pour nos candidats, chaque voix compte. C'est un beau symbole que nous avons là, ce V, voter, victoire. C'est un geste universel. Faites-le.